I want to
Jean chapitre 13, versets 1 à 14. Iwe ireti Jésus Christi, ti ati ọwọ́ Johannu kọ, orí ìkẹẹ̀dógún, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹrìnlá. Òwe ìdàgbé Jésù Christi tán, kẹ Johannu kan, ọ̀tá ẹ̀tàn fọ̀tàn. Bẹ́sán àpọ̀ ètò títan ló ìdẹ̀wì ẹ̀mí. Òkúrò náà. Éternel. Mi yóò wá kótó ìkan. Nous sommes venus auprès de ta parole. Mi wá nùkan tó yé. Nous sommes venus devant toi. Mi sọ yí òkó tó yé lẹ. Nous avons reçu toutes tes paroles. Ṣé a dọ̀ sán mi kúrò tó dàgbò lọ sínú mi? Et tu as enseigné de la bouche du grand enseignant. Yé dọ Jésù. Jésus. Àyí náà mẹ tọrọ. Le conseiller. Mulegantɔrɔ. Le sauveur. Ogbɛkpodote náà mɛtɔrɔ. Le conservateur de la vie. O ye tɔndi mi yi ye. Venant de lire sa parole. Wa de mi do ali oji to ye mi o kuro na. Montre nous le chemin dans cette parole. Na nu ekplɔ to ye ekele to si zɔn mi. Mi ni mu ayi bo jɛ eji o kuro na. Adike mi enyi gbɛtɔ de ayi etɔ suzi. Tòhó tó inú kan ló kúrò náà. Tòyí Jésù tán mẹ́. Àyè mẹ́lẹ́ kó tán ní ìhùntà fúnnu ìhùtọ́. Tòyí Jésù mẹ́ fúrigọ̀tọ̀ tán mẹ́. Òkúrò Jésù tán dé mí ń ṣe bò híyá yìí. L'enseignement de Jésus si que nous avons lu. Mẹ́ndé lè kótó si ṣe sán yọ̀pọ̀ bú mẹ́ yìí tán. Certains c'est depuis l'enfance qu'il l'écoute. Mais ou d'autres, c'est le jour de leur naissance que cette partie de la Bible a été lue. Ou bien le jour de leur sortie. C'est en ce jour que l'enseignement de Jésus-Christ a été lu. Pour d'autres encore, c'est le jour où ils ont posé leur premier pas dans l'église que cet enseignement-ci a été lu. Et voici que le Seigneur nous ramène encore ce même enseignement. Et depuis lors, que faisons-nous de cet enseignement? qu'est-ce qu'il contient? Et qu'est-ce que Jésus nous dit à vous et moi? Et dans mon misé, roi ton botoyi, to roi ton mekaka, mina wa lesu meklonto eton waya. Kabiwo nani meklonto miton. Est-ce que et lorsque nous allons tant écouter sa parole, lorsque nous allons progresser dans l'écoute de sa parole, allons-nous devenir ses enseignants ou bien allons-nous lui permettre d'être notre enseignant? Olo eye misia. Bon, il y a un coup de yé to ma ou ko se lo do je egbe et to azan go do to okwe et ton yin an coup de be on de ndo nye do ko lo se bo to ko lo kan wa on wa lesu me plan to Jesu ton we ya ka yi Jesu jan we gbe popo to me plan to se yin. Et tu vas examiner voir que depuis que tu es en train d'écouter la parole de Dieu jusqu'à maintenant, est-ce que c'est toi qui es l'enseignant de Jésus ou bien tu as permis à Jésus d'être ton enseignant? C'est ce qui revient à chacun d'analyser à travers ce passage. Et ce matin, le thème à étudier, il revient à chacun d'analyser pour voir si je devenir enseignant de Jésus ou bien je permets à Jésus d'être mon enseignant. Et si c'est Jésus qui est mon enseignant, si c'est lui qui m'enseigne, et si c'est Jésus qui t'enseigne, donc tu ne pourras pas aller au-delà de ces paroles-ci. Et tu ne peux pas voir au-delà de cette parole. Et quelle vision ira et vouloir dépasser Jésus, tu dois rejeter toutes ces visions-là. Parce que cela ne pourra te conduire nulle part. Or,
Or, nous sommes des gens qui vont pour un bon port, une bonne destination. Alléluia. 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 À quoi? As-tu regardé? Où veux-tu aller pour être ici ce matin? Où voulez-vous aller? C'est quoi dormir à Caillou? C'est quoi tomber? Où n'ayez midi? Et n'ayez pas fil d'agbé. Fil d'agbé, y gbé ou mi wa. Fil d'agbé y tole, si y a fort ou primo. Et même fil n'y a quand y tole, si y a fort ou primo, y a mon. Fite y tole, si y a fort ou primo. Fil d'agbé. Et y fil d'agbé y tole, mi. Et si réellement nous sommes des pèlerins qui migrent vers un bon port? Ben, oh, chauffeur. Fil d'agbé y tole. Ange, fil de vos chauffeur de congé. Chauffeur de to na kun yi an so se chauffeur goga amon gbagbo na le to egbe ye chauffeur goze to me ito de se chauffeur go le voyageur qui dépasse son chauffeur son conducteur et là il fit reje yi pourra-t-il aller là où il va be mi gbo na mi ni godo bi bo si wo ye wi to me donc revenons dans l'esprit de Dieu. Que chaque personne revienne alors à l'esprit de Dieu. Avant d'être des hommes revenus à l'esprit de Dieu. C'est dorénavant cet enseignement qui devait être à la base d'une œuvre entreprise pour que chacun de nous puisse avoir l'esprit du retour à l'esprit de Dieu avant que nous nous mettions à cela. Et au dedans, mais cela est obligatoire. Donc, au de Jésus, notre fille, ni Dieu a son dit. Que la parole dite par Jésus ici se mette à l'œuvre. À son désir, volonté. Mais le coup de poing est tenu qui a l'œil. L'œuvre que commande cette parole, il revient à chacun de nous de l'accepter ou de l'accueillir. Thomas qui a l'œil, mais. Et sans l'accueillir. Collègue de Biboma ou Thomas. Le gaga bonawani, mais sogbe. Bonado y fit d'agbero. Et madame Bibibaï. Sans l'accueillir, le retour à l'esprit de Dieu, au point d'être quelqu'un que Dieu veut, un homme reçu par Dieu, cela ne peut être faisable. Madame Bibibaï, ou à moi. Cela ne peut être faisable. Fille, ou est-ce que tu nous mets en amitié, mais ma voix n'a donné, mais prends-toi, mi ton bas. C'est ici que Jésus-Christ est en train de nous expliquer que nous ne sommes pas venus pour être ses enseignants. Mais il revient à lui de nous enseigner. Parce que là où nous allons, là où nous irons, est entre ses mains. Le bon lieu. Le lieu de repos. Là où il y a le sourire de Dieu. Et ce n'est pas là où on ira rencontrer la fureur de Dieu. Donc, dans notre marche, nous devons savoir que Dieu ne doit pas être furieux contre moi. Je ne veux pas rencontrer la fureur de Dieu. C'est pour cela que je suis venu ici ce matin. C'est ce qui a fait que tu es ici ce matin. Et Dieu, lorsqu'il me verra, il ne sera pas furieux contre moi. Mais il va me sourire. Et il va m'accueillir dans son sein. Et si cette inspiration peut déjà intégrer la vie de chacun, tous les enseignements de Jésus doivent avoir un impact positif dans notre vie.
Et comme ça, nous allons devenir ceux-là qui, déjà sur la terre, se sont rapprochés de Dieu. Se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas uniquement de la bouche qu'on se rapproche de Dieu. Non. Celui qui veut se rapprocher de Dieu emploie sa chair ou son corps pour Dieu. Cela fait un. Son âme également est mise au service de Dieu. Et tout son lui est au service de Dieu. Il n'y a aucune partie de son corps qui est utilisée ou mise au service de quoi que ce soit. Certains, lorsqu'ils se sont comportés ainsi, ils ont été des gens accueillis, reçus. Des gens reçus par Dieu. Des hommes les distingués de Dieu. Des autres parmi le lot. Les gens qui sont chers, précieux à Dieu. Et c'est en cet endroit que nous devons jeter nos regards en Jésus-Christ. Et c'est là où nous devons focaliser en Jésus-Christ. Et c'est ce qui a fait que Jésus a mis à découvert cet enseignement pour que l'auditeur qui l'écoute devienne alors cela. Si. Écoute. Nyewe. Je suis Atin dondonu numbolo. Le vrai cep. Atin dondonu. Le vrai cep. Où est-on dit d'homme? C'est ce qu'il dit. Nyewe Atin dondonu numbolo. Je suis le vrai cep. Oh, Baba Chekabai, oh, vin grenon là. Mon père est le vigneron. Peut-être qu'on est dit. Qu'est-ce que cette partie dit? Est-ce que vous ne sondez pas les écritures là? Voyez-vous cette phrase que nous avons prise? Et si nous arrêtons sur ce seul verset, on peut déjà parler durant 2 heures sans même dire quoi que ce soit. Et il y aurait encore des choses à dire. Mais nous voulons manger. Nyewe, Atin Dondon, Nungbolo. Je suis le vrai cep. Au Baba Chekabai, vin glénon. Et mon père est le vigneron. Nawe yena zego bondi. Comment peut-on aller au-delà de lui? Naye kana klo nou me mon koton bondi. Et comment peut-on enseigner une telle personne? Mioto nou klo monje nou logo daragwe. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et le haut parti tan hero verset 1 là. Et le yé agonde si. Et si ce premier verset est compris de tous, d'une église, de membres de chorale, c'est dans le calme et la tranquillité qu'on adorerait Dieu. Et chacun a dit qu'il a reçu l'esprit. Avec l'esprit qu'on a reçu, c'est dans le calme que serait devant Dieu. Non, mais to. Est-ce que vous mesurez le calme, le poids du calme? Oh, yeto, yeto maousin, malike bo bado ndego, masodi ke bo ndeso ato, bado mengo, ouais, yero do to mo, to la yemisiya, oh, ato nu bado mengo, chen, amalike ni bado goi, yero su masodi ke bo zaywara. Et le calme veut signifier qu'on peut être au milieu du désordre, mais on ne va pas permettre au désordre de nous cogner et nous n'allons pas nous laisser cogner par le désordre. Mais mon domon, oh, moto conteur d'agri, moto conteur d'agri. Le bon chauffeur, le bon conducteur. Lorsqu'il prend sa voiture, est-ce qu'il va faire des casses avant de retourner? Oh, Adam est dans. Non, on demain, on va voir dans le avec le moto. Oh, moto compteur.
de makagona o dede eyi to dokun moto metan wa na iran gogun hein moto e tonbo e apa hayan hayan nono yi uropa o awon run voto o godobo wa nde adami adami rebo bo kitchen bo era to ganja ganja e don aje yi amo me wure bo na ide bo so wure bo na nu o hun eton apun afunu amo e pa apun e weja yi amo eran o se eton nde mo no je go eno to awudi di me we poponu mo we so je dodo mo o we for titan e de mi se bo ya do ko e Et quelqu'un, un chauffeur qui maîtrise la conduite, lorsqu'il sort avec son véhicule, il ne fait pas de casse. Sa voiture revient idem telle qu'il est parti. De même que celui-là qui prend soin de la parole de Dieu, le premier verset que nous avons lu, celui qui met en pratique ce verset, c'est ainsi que la vie de sa foi sera lisse. Et non, tu parles, non? Il va éviter les choses. Moto edidi tunpunto ndo pipa na nwe te pepo. E mo danje jae na wana. E anze. E zo mo do alio chi de na chi e anke no te bopon do be alio wana. E naya. E ma amba igija gija po moto e tonpo. Yi se meni ma do ba igija gija ko epo. E zo mo. Jesu Kristi e tunu me fi ro. Mo yen we ati dondonu ro mo. O baba ti ka wa so yin de o vengre no lomo en ero de pepe de gbe to wa nlo en de ma do to yi e ma ga gbe to de pepe de ma do to yi gbe to ma ja de ba yi le chauffeur qui maîtrise la conduite sait éviter les dangers de même le chrétien qui observe ce verset saura également éviter les dangers qui se trouvent dans la chrétienté c'est pourquoi Jésus dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Mais il n'y a personne qui pourra aller au-delà de lui. Mais le peuple des gens est bon, mais on a beaucoup. Et quiconque va vouloir aller au-delà de lui se perdra. Et si tu ne veux pas te perdre, tu vas reconnaître le cèpe. Et reconnaître également le vigneron. Et savoir que le cèpe et le vigneron sont un, une seule personne. C'est la même personne. En allant au-delà de lui, tu ne pourras réussir quoi que ce soit. Le deuxième verset dit, et tu dis dans mon. Il dit, Allah, dégbeti ton yeme. Tout sarment qui est en moi, Boumaka si c'est wawa, et qui ne porte pas de fruits, il en décède. Il le retranche. Il n'a ni dit décède pour moi. Sera retranché. Mais nous est canan décède. Et qui le retranchera? Il doit glénolo. Il est dit le vigneron. Glénona décède. Le vigneron le retranchera. Mais tout sarment qui porte du fruit, il a dredo. Il le monde. Il a dredo. Il le monde. Nami montevado si c'est ce soir de dit. Afin qu'il porte encore du fruit. Mais quoi est-ce qu'il faut nous? Donc à la fin de cette année. Oh oh, ma ojurodo, anido fokwe lodi emo. C'est avec cette parole que Dieu souhaite, que Dieu veut que tu finisses l'année. C'est la parole que Dieu a donnée pour que tu puisses finir l'année. Quelle sorte de serment es-tu ici assis ce matin? Jésus dit tout serment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Sera retranché.
Est-ce que tu es en train de faire l'œuvre du serment qui sera retranché dans cette église? Est-ce que c'est ce que tu es en train d'être ou de représenter dans la famille dans laquelle Dieu t'a placé? Parce que nous sommes issus de différentes familles. Et nous constituons également différentes familles. Et que représentes-tu? Quel type de serment en Jésus es-tu réellement? Est-ce le serment béni? Ou le serment qui n'a aucune bénédiction? Bon, nous, et ce à quoi il est dû, c'est qu'il soit retranché. Sachons-le, c'est l'homme qui est en train d'entreprendre dans l'église de Dieu. C'est l'homme qui est en train d'être fait. Chaque jour, le vigneron regarde, observe tout serment. Et les serments qui méritent d'être émondés, réparés, il le fait. Et ceux qui méritent d'être retranchés, il le retranche. Comment est-ce que tu vas faire maintenant? Pour être parmi les serments que le vigneron va entretenir et émonder. Nuit et jour, le vigneron examine chaque serment pour bénir. S'il arrivait qu'il trouve un serment maudit, il n'est pas content. Hein? Un serment maudit. Qui a poussé sur le sceptre. Là, il voit qu'il n'a pas sa place, ce serment n'a pas sa place là. Amen. C'est le vigneron qui est en train de voir, qui est en train d'observer pour voir ceux-là qui ne sont pas dignes, ceux-là qui ne doivent pas avoir leur place, mais qui ont surgi. Ne vous gênez plus. Ne disputez même plus avec les gens. Mais le coup de jetokla n'a donné à la nubo, à la égéhe, n'a donné Jésus Christ. Jetokla toi n'a donné à la dégéhe, n'a donné Jésus. Que chaque personne se mette à l'œuvre, gêne et met tous tes efforts pour être le serment digne d'être sur Jésus le 7. Sois le serment digne d'être sur Jésus Christ. Il est arrivé que c'est vous et moi qui sommes ce serment. C'est les hommes. C'est nous les hommes. Et Jésus, le vrai sceptre, sur qui nous avons poussé comme des serments. Nous sommes ces serments. Permettez à ce que nous fassions l'œuvre du bon serment. Le bon serment. Il n'est pas perturbé par le soleil. Il n'est pas perturbé par le soleil. Du tout pas. Il arrive à dominer, il traverse la sécheresse. Il gagne le soleil. Alléluia. Alléluia.
Combien sont ceux-là qui comprennent la parole ce matin? Vous tous. Soyez bénis. Alajoala. Le vrai serment. Et nos doigts m'accouillent. Et fleuri. Et nos doigts m'accouillent. Pousse des feuilles et verdoyant. Mais nous croyons Diego. Et il nous guetta. Et quand le soleil paraît. Et nos bêtes nous n'avouent. Il résiste au soleil. Et nos bêtes nous n'avouent. Il résiste au soleil. Et nos dons n'avouent vraiment. Il dit au soleil. Si ma ouze wedo. Là où Dieu t'a placé. Non fin est oué. Sois tranquillement là à ta place. Si ma ouze zénye dodi. Là où Dieu m'a placé, le voici. Amen, grand certain ami. Tu ne peux me déplacer. Adabo ma ouche. Si ce n'est Dieu seul. Oloye misia. Tu ne peux me déplacer. Je ne peux à cause de toi me déplacer. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que le mauvais esprit ne peut te déplacer. Qu'une œuvre du diable qu'il s'est fait ne peut te déplacer. Dis à ton prochain, ne permets pas aux œuvres du diable de te déplacer. Le diable sait faire. Ne permet jamais qu'il te déplace. Alléluia. Alléluia. Et si vous arrivez à comprendre cela, nous allons dominer, gagner le diable. Et nos générations à venir vont dominer, gagner le diable. Et Jésus sur son trône nous obadionnera. Pourquoi? C'est parce que nous avons vaincu tous les soleils. Le soleil apparaîtra. Mais il ne pourra pas nous déplacer. Connais-tu le soleil? Lorsqu'il est au zénith. L'ardeur du soleil paraît tout séché. Shogun. Et pourtant, il ne pourra sécher. Mais il agit comme s'il va tout sécher. Kaina. Il agit comme si sur son passage plus rien ne restera sur la surface de la terre. Et pourtant, un temps après, le soleil se couchera. Ne permet pas à quelque chose qui aura bientôt sa fin de t'effrayer. Nous étons à faux. Quelque chose qui a une fin. Ce qui va connaître sa fin. A consisté ton. Ne considère pas son bruit pour laisser ta foi s'effondre. Ne considère pas ses bruits, ses menaces. Si cette parole que Jésus déclare, si chacun de nous peut déjà permettre à cette parole d'agir en lui, chacun de nous deviendra un soldat, un guerrier, un warrior qui n'a peur de quoi que ce soit. Rien ne peut t'effrayer. Le soleil va se lever. Mais ton homme va subsister. Ton homme ne disparaîtra jamais. Et si cette parole que Jésus-Christ est en train de déclarer, chacun peut déjà comprendre ça. C'est le lever du soleil qui permet à l'arbre, à un arbre, de reconnaître à travers lui qu'il a de l'ombre et que c'est sous cet arbre que peut se reposer des choses. Ce qui veut dire qu'au lever du soleil, là, cela ne pourra t'éteindre, mais tu vas traverser toutes les situations. Semblable au soleil. Le soleil va se lever. Le soleil sera au zénith.
Mais le serment va toujours demeurer serment avec son ombrage. Pourquoi? Parce que c'est le cèpe béni. Le serment béni. C'est le serment béni. Il ne vit pas sur le cèpe inutilement. Il est en train de témoigner à l'œuvre que le cèpe est en train de faire à travers lui. Ce qu'il est en train de bénéficier comme produit qui le monde du 7, il est en train de témoigner ça. Il est moins toté, Et lorsqu'on le voit sur le 7, ou être porté par le 7, on voit qu'il fait l'honneur du 7. Que c'est vraiment un sujet d'honneur. Et quand est-ce que vous allez devenir quelqu'un qui honore Dieu et Jésus? Quand est-ce que nous allons parvenir à ce niveau-là? Où nous allons devenir un sujet d'honneur de Jésus-Christ. Ceux qui honorent Jésus sur la terre aujourd'hui, les voilà. Tous les anges le diront. Le Saint-Esprit le dira. Le vigneron aussi proclamera. Tous les anges le diront. Nous sommes vraiment fiers de la vie ou non? Allons-nous avoir une vie désirée meilleure? Et nous allons devenir des gens de vie précieuse depuis le ciel. Des gens de vie précieuse des cieux. Est-ce qu'il y a un ici présent à ce culte ce matin? Les précieux de vie du ciel, où êtes-vous? Cela veut dire que tu es devenu le beau vêtement sur le corps de Jésus. Comment est-ce que Jésus ne va pas t'honorer? Comment est-ce que le Père ne va t'élever? Cela va être vite fait, il te donnera ces choses. Produisons du fruit. Si c'est dans mon Jésus-Christ, il y a un petit peu. Le fruit, parce que tu es sur Jésus-Christ. Si c'est dans Jésus-Christ, il y a un petit peu. Le fruit de ce que tu es sur Jésus-Christ maintenant. Donc, vous êtes nous à nos lèvres bagodailles. Que lorsque tu étais porté par le diable, où est à nos Saint-Saint-Saint lèvres bâton lèvres? C'est à ce moment-là que tu portais le fruit du diable. Amandine. Mais à présent, Jésus goué à un petit peu. Tu es désormais porté sur Jésus-Christ. Jésus t'a déjà reçu. Ce n'est pas qu'il te recevra. Il t'a déjà reçu. Et ce qu'il faut commencer par faire en Jésus-Christ, ne le remets pas demain. C'est aujourd'hui. Commence. Mais ceux qui ont commencé, mais là, ouais, non. Glé non la wa bon glé men.
boto alale kon melole we eno mo asan ye ton eno mo sinsin ye ton eno mo do alae e je hedo mo nukun emi ton ni wana ninu egun me ye alae ke nukun emi ton do nanu egun sinsin awe we deji sinsin aton we deji enda yin grace boto atin pon boto chicho e kaka e dose titan comme un homme, car comme un homme. Si c'est le monde, au sel, na, il n'y a rien à dire. Et le monde, et le sel, sort de jinjafle, de comme, et de l'homme, et de ah, et non, mais, et non, venam, à vous tout, et vous, bon, au sel, ma note de j, bonana, noué, et non, nawa, bon, sel, sort de. Ji jakon igbe enojuro na boazon ne ka enojuro na boazon ne enda masinde we atinozan enoje ki kambio jiro ah ndo atimo edo semo serole ko ki kon igbe o mi me yo grejere re amasinde enozan na atimo nko ton eno mo ne ka emono mo ne wa bo ati eto odo se que ton arbre a produit des fleurs. Alade ali di o setele we to jiwe. Le serment que tu es, quelles sont ces fleurs que tu portes? O sele le kanana sisin. Est-ce que ces fleurs vont donner, est-ce que les fleurs vont produire des fruits? Kavie manana sisin. Ou bien ne vont-elles pas produire des fruits? Weta nu we yeno dodomo. Alade mi ni si sele to kikon igbe do come. Quand est-ce qu'on parle du serment qui est en train de vider ces fleurs qu'il a poussées? When we now are pick mondo o beto de legba de sinu bido sinu wiwago bo je gigodo godoji alesun alade to o se okan igbe do come ni emo. C'est au moment où tu commences par considérer les propos de quelqu'un, les actes de quelqu'un pour commencer par reculer dans la foi, c'est précisément en ce moment qu'on peut déjà parler d'un serment qui est en train de vider ses fleurs. Et Mayon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout avantageux. Ce que tu dois faire pour ton Seigneur, ne considère pas quelque chose pour te laisser affaibli. Que ce soit sur ta propre vie. Dans la vie d'une autre personne, ou bien face à une manigance du diable qui est apparue subitement. Soit comme le serment qui a assez de feuilles. Rien ne se passera. Et rien ne pourra te nuire. Ton Seigneur ne permettra à quoi que ce soit de te nuire. Le serpent autour de l'âme ne peut transformer l'âme en serpent. Miracle, mon God, nous sommes bégas. Miracle, nous sommes bégas. Ezombo eno dan fasa do atin gbogun atin go wayi o ezombo atin lo su ena lesun ere ati so lon lesun dan ga o dan ma vo o dan ma to vo ya atin lo su ma so to vo ga ma pon dodomo o dan fasa da tin go utu na ye ala si wo ye we ton alade to Jesu Kristi me ye so na di osun otan no ene we to jijo to gbigbo me di. C'est ce qui se passe actuellement dans l'esprit. C'est ce qui se passe actuellement dans l'esprit. Les serments de Jésus considèrent le passage du serpent. Elles veulent se transformer en serpent. Et si Dieu avait voulu que tout soit serpent, allait-il faire la distinction entre les choses? Et nous, les hommes, nous serions déjà des serpents. Le serpent est à part. L'arbre aussi à part. L'homme est aussi à part. Reconnais donc le titre par lequel il t'a appelé reste à ta place.
bo wa tin to me de ma uze we do sinu ni ko e ma wiro we do wa nu e ton pom. Agis conformément au nom que tu portes, le nom que Dieu t'a donné, la place qu'il t'a fait occuper. To afonu e ce matin et to yiro mi do mo alade tin to Jesu Christ go. Il est en train de nous appeler le sarment qui est porté sur Jésus-Christ. Alade tin to Jesu Christ go yen. Je suis le sarment qui est sur Jésus-Christ. Yero et toi et toi mi leyin o dande tin to Jesu Christ go mi lesu ya eh me ye tawe mi do dide be o dansi jijo le mi bo be kon igbe. Donc dépouillez-vous de toute habitude de serpent o dani no vo, que le serpent soit à part. À la Jésus-Christ, ton lèvre vous soit là. Et que les serments de Jésus aussi soient également à part. Na mini dogbe de krono do mi ni dolo. Afin que nous puissions répondre par la voix que Jésus nous a donnée. Mille nous saint saint saint. Nous nous produisons le fruit. Si saint de kunu do Jésus to mi me. Le fruit qui atteste que Jésus est en nous. Le fruit qui témoigne que nous sommes venus à Jésus et il nous a reçus vraiment. Parce que celui qu'on reçoit à son arrivée, en lui a une joie. Il a une joie de ce qu'on l'a reçu à son arrivée. Et cette joie-là, du fait que tu es venu et que Jésus t'a reçu, serait à l'œuvre dans ta vie. Cela doit agir en vous et moi. Je suis venu, il ne m'a pas repoussé, il ne m'a pas rejeté, mais il m'a reçu. Que cela soit agréable à voir quelqu'un, ce n'est pas mon problème. Que cela soit bon à voir pour quelqu'un, ce n'est pas moi mon problème. Moi, ma joie, ce qui fait ma joie, c'est qu'il m'a accueilli. Et chaque personne doit venir s'asseoir dans cette joie-là. C'est dans cette joie que tu dois venir. Ça ne te regarde pas. Il m'a reçu. Cela fait mal à l'autre, mais cela a plu à celui-ci. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu es venu pour ça? Ceux à qui cela a déplu et ceux à qui cela a plu, est-ce que vous êtes là pour ça? Pourquoi es-tu ici? Jésus ni yiwe. Que Jésus t'accueille. Et yiwe ka yema yiwe. A-t-il accueilli oui ou non? Ofo ka yiwe ma fo. C'est fini. Aya je do ye yiwe lo fi azedo. As-tu mis la joie de cet accueil? Jésus ke alo yi mi si aya je. La joie de l'accueil de Jésus. Ene madona buson. Yi se non de pepe si gbezan. Cela ne peut jamais disparaître de la vie de quel poignant que ce soit. Bon, et là, ton contient baï. Au point, on va être nonchalant. Bon, là, digbe baï. On n'est plus habile. Bon, là, ton. Ho chan, son agé, son kouadi, son wezetin, son weiho. Ma ton ho changbe. Jésus ni ki alo yimi bewe mi ton. On va aller chercher les problèmes de l'Orient, de l'Occident, de devant, de derrière. Nous ne sommes pas là pour amasser les propos, mais nous sommes venus pour que Jésus puisse nous accueillir. Jésus, et Jésus t'a déjà accueilli. Ce qu'il t'envoie faire, va le faire. Ce que Jésus te commande, prends-y soin. Pour que tu puisses condamner tout ce qui t'envoie aller chercher des paroles, des propos vides. Celui qui t'a accueilli, la raison pour laquelle t'a accueilli, toi, consacre-toi uniquement à ça. À fois ton tonton dit d'ordonnement. Troisième verset dit. Mes collègues ont mes yeux. Vous êtes déjà purs. Donc, au dévoilà na mes outre. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Mes collègues ont mes yeux. Vous êtes déjà purs.
À cause de la parole que je vous ai annoncée. Cela veut dire que la parole purifie. Vous êtes venu vous asseoir auprès de la parole qui purifie. Permettez-lui de faire l'œuvre de la purification dans vos vies. Donnez place à la parole. Et cessez de vous accuser les uns les autres. Cessez de vous accuser les uns les autres. Afin qu'en notre temps, l'œuvre de Dieu puisse progresser. Afin qu'en notre temps, l'œuvre de Dieu puisse connaître un grand progrès comme au temps des apôtres. En notre temps, il n'y a pas encore un grand progrès. Pourquoi? Chacun veut déjà se transformer en celui qui va purifier son prochain et non la parole qui va purifier. Jésus déclare. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà pur. La parole vous a purifié déjà. Si quelqu'un veut remettre en cause ta purification, ça fait son problème. Parce que Jésus a dit, la parole que je vous ai dite vous a purifié. Si toi tu as reçu la parole, reste tranquille, c'est fini. Non, oui, bon. Reste tranquille. Nani toi ton d'idée et mon nom j'ai quoi au golo. Et que lui soit en train de dire, de parler tel qu'il a compris la vie. Mais mon don a belle que t'es quoi dans mon don quoi moi donna mi outou mi koé. Celui qui sonde toute la vie dit à cause des paroles que je vous ai annoncées, vous êtes déjà pur. Si toi tu reçois la parole, c'est seulement si tu ne reçois pas la parole. Si toi tu reçois la parole, c'est fini. Le verset 4 parle. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. L'idée a-t-il comme le sarment et mes gants et des si ne peut de lui-même se tenir bon assez si c'est et porter du fruit à d'avoir et nous a-t-il donné nous go s'il ne demeure attaché au sept monde au poloway demain mais au lait le sou vous aussi mais ma soeur gant vous ne le pouvez non plus à d'avoir et nous mais non y aimer si vous ne demeurez en moi mais ma soeur gant des timons vous ne le pouvez existe. Lisez le quatrième verset. Afin que nous tous nous puissions comprendre. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Mais ainsi vous ne le pouvez non plus. Mon cœur, mon dos, mi ma soganga. Donc minéyon fié, à ma soganga qui tient à mi. Donc reconnaissez là où se trouve pour nous. Non plus tu ne peux pas. Nous ne le pouvons pas. Ayez ici, fié mi ma soganga qui tient, fié mi so soganga qui reçoit et so wana. Est sorti. Là où nous pouvons exister et là où nous ne pouvons pas également exister. Fille mi ma so gante ti mon. Là où nous ne pouvons pas exister. Anji be le ponisho ede. Que la chorale se méfie. Nous koyina nous jiwe yawe tonton no de sou nou de yon de misho mi de. Que tous ceux là qui dirigent les choses dans l'église se méfient, hommes ou femmes. Aïza toni cho ede. Que celui qui parlait, l'église se méfie. Pourquoi? Fille mi so gante ti.
parce que là où nous pouvons exister. Si demi ma sœur sorti et sort là non. Et là où nous ne pouvons pas aussi exister. Et il doit y aimer des fois ils se trouvent quoi ils aiment des ouais do à ma sœur grande mais à bonne pluie. Et si toi et ta foi vous allez vous plonger dans vous ne pouvez pas. Alors tu seras fatigué. Agbona pe oui. Tu seras fatigué. Agbope mende ma o ma dona oui. Une fatigue auquel l'Éternel ne t'a pas laissé. Ma o ma dona oui wa mo. Une fatigue que l'Éternel n'a pas envoyé sur toi. Yelo suwe ibio a ma so gamme. C'est toi-même qui allais te mettre, te compromettre dans tu ne peux pas. Minyo fie mi pe nugo. Reconnaissons notre capacité là où Jésus a placé notre capacité, demeurons uniquement en cet endroit. C'est depuis que l'homme est né que cela a commencé par travailler. Vous demeurez dans le jardin. Nous ne devions pas aller vers le mauvais arbre. Dont on mangera le fruit et on en mourra. N'allez pas vers cela. Ne vous reposez pas là. Et n'allez même pas cueillir ces feuilles. Mais on est allé manger le fruit. Bon, et on s'est retrouvé. Dans, on ne peut plus rester le jardin, dans le jardin. On ne peut plus habiter dans le jardin. On ne peut plus voir, contempler la face de l'Éternel telle qu'on le faisait avant. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est à travers des visions que Dieu se révèle aux hommes. Donc, le seul dans le cas est particulier, c'est Moïse. Qui peut déjà dire que j'ai vu Dieu par derrière? Dieu m'a révélé son dos. Son dos, voilà. Il faut être précis. Mais nous comment dire ego. Mais pour les pauvres, c'est même moins. Et pour le reste, nous sommes en train de dire. C'est à travers des visions. Lorsque nous sommes allés, nous nous sommes retrouvés dans tu ne peux pas. Misia, miso ganti, mi maso so ganso wana. Mi oule agumare ton lepo, mi hona, mi maso gan, et maso ganwa, mi hona ene wo. Donc vous tous, église de Malé, fuyez, vous ne pouvez pas, il ne peut pas, vous devez fuir ça. Nous devons vraiment fuir cela. Na mini potento kindo mi sogan a sogan. Afin que nous possédions le pouvoir, tu peux. A sogan ni dozon podo mi po. Pour que le pouvoir puisse marcher avec nous. Mi sogan ni dozon ni podo mi po. Pour que vous pouvez puisse marcher avec nous. Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez que c'est Jésus? Si. Écoute. Aucun serment ne peut demeurer ou se porter lui-même. Et produit de fruits. S'il ne demeure attaché au sept. C'est obligatoire qu'il soit attaché au sept. Il n'en est ainsi de vous-même. Vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, celui qui refuse de demeurer en moi, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas. Qu'est-ce qui est en train de l'échapper comme ça? L'accès à la vie éternelle est impossible pour lui. Sa purification devient impossible. Le pardon de ses péchés devient donc impossible. Et là, Jésus ton Dieu, Dieu m'était sortant, Dieu m'ici. Maintenant, nous baignons tombé. Et si le chemin de Jésus sur lequel nous sommes peut être compris de tous, alors nous allons jouir de cela.
Et si nous passons par le biais des explications de Jésus-Christ, notre foi serait une foi forte et enracinée. Et rien ne pourra la déraciner. Les choses qui déracinent ne parviendront pas à la déraciner. Continuons. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, dado. Ici, à ce niveau, Jésus a parlé. Cela révèle que moi, je ne peux pas l'enseigner. Toi non plus. Et ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent l'enseigner. Aucun d'entre nous. Est-ce que tous les hommes peuvent déjà comprendre cette parole? Et nous qui sommes près de la parole, ce que nous avons pu comprendre de cette manière? Bénissons ceux qui l'ont compris. Car leur vie ne sera plus jamais détruite. Pourquoi leur vie ne sera pas détruite? Ils ne vont pas aller au-delà de la parole. Ils seront ensemble avec la parole. Ils n'iront pas loin de la parole. Ils ne vont pas sortir de la parole. Ils ne vont pas sortir de la parole. Vous allez demeurer en moi. Et moi en vous. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. C'est celui-là qui pourra. Donc ce que chaque personne doit commencer par chercher, c'est que Jésus puisse commencer par demeurer en lui. Chacun personnellement. Aux enfants, dites-leur, cherchez à ce que Jésus commence par demeurer en vous. Pour que vous fassiez les choses qu'il aime. Quand on commence à faire les choses qu'il aime, c'est que tu es en train de lui démontrer. Je veux que tu puisses demeurer en moi, ça. Ce n'est pas se mettre à genoux et dire « Seigneur, demeure à moi, entre dans ma vie. » Non, ce n'est pas suffisant. Après avoir dit cela, qu'est-ce que tu es en train de faire ajouter à ça? Après avoir adressé cette prière, qu'est-ce que tu as ajouté à la prière là? Quel est le comportement que tu as ajouté à cette prière? Quelle est ta foi qui a résisté, qui a subsisté pour cela fermement? Sans cela, si ce n'est que les prières de la bouche que tu fais, sans être accompagné par des actes, l'acte de l'obéissance. L'acte de la soumission. L'acte en qui est en train de le regarder pour voir si ce que tu fais le plaît. L'enfant qui ne veut pas être puni de chicotte à la maison, quand il sort avec son père, comment est-ce qu'il agit? Il braque ses regards sur le père. Et là, on lui demande de s'asseoir.
il a toujours ses regards portés sur le Père. Na ayin de esi. Pour que la position qu'il a adoptée. Ayon pon to tonu kun me ni mo ten do mo ya to nu kun si baba e tonton ji. Pour qu'il puisse lire à travers les regards de son Père que sa position a plu au Père. Mais nous comment dire quoi? Un dans des sorti ma son yon to tonu kun me nu kun me to ton ko no dido ki e do de asi e ma wa nana mi. Et ma chéji, amoué na jiraye de do. Et si ça. Et de wè ete, amoué na go jiraye de do a l'okpade. On a go ponto de nte di. Et yon, o toko fi kono yi nou kundo non to kodo na ebe to meme. Kaye, mi lè mwa mba baye mwana yoko mi ton lè fie. Et yon do blabo, to kono si gamen, de to fenso, e wa yon do to ewe fenso mende. Amate fon yi ede wa, boko kwen lan tata. O yon nui ka ema yon nui. Et de ma son yon yon yon, ou je kwe gbe, et nou ado ki yon mou, mi yon je mèmè de vou, nou kontwe nan nou vide. Ndo pik moun we bo nou kontwe, ama yon don we wate roma a cheji je we. Chom ma moun mi ne, ama moun mi wa, a ou do fine yi da yon we. Don mi yon yon. Pe vide we mwen men susu. Crème de Et si cela existe, c'est peut-être qu'on peut déjà trouver quelqu'un qui va adorer Dieu plus que nous. C'est vraiment peut-être. Donc, mais fondo et dile, botomon, yele mewe, Jésus nous wa kouyou, bono bio yeme. Parce que ceux-là qui se sont engagés de cette manière, qui agissent ainsi, c'est en eux que Jésus fait sa demeure. Demeurez en moi. Je demeurerai en vous. Et à moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui l'a dit? Est-ce moi? Non. Et si sans moi, vous ne pouvez rien faire? Qui peut déjà entreprendre quelque chose dans une nouvelle année? Mais nous est là pour qui pourra quelque chose dans une nouvelle année? Au moment où cette grande déclaration est dite sur nous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'oublie jamais. Verset 5, là, si, au haut, vous êtes au moment. Mais quoi qui est au dos? Mais de doute à votre côté. Continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Et non, laisse mes yeux drapeaux. Comme le sarment. Et il sèche. Et son cou. Puis on ramasse les sarments. Bon, il y a un bain. A-t-il la roule? Il y a un. On les jette au feu. Bon, ben, y'a condo mignon, mais. Et ils brûlent. Y'a ça nous dit mignon. Si vous demeurez en moi. Et y'a mignon, non, y'a mignon. Et que mes paroles demeurent en vous. Bon, hochez-les, ça non, non, mignon. Demandez ce que vous voudrez. Mais bien, nous, de mignon. Et cela vous sera accordé. Alléluia. À moi, allez là. Vois-tu la récompense? À moi, allez, toi. Vois-tu ta récompense? En te transformant ainsi pour Jésus. En te disposant ainsi pour Jésus-Christ. Et il te donne le pouvoir. Aché. L'autorité. Demande ce que tu veux. Et il te sera accordé selon ta demande. Et qu'est-ce qui me donne, qui me permet cela?
Qu'est-ce qui te donne cela? Qu'est-ce qui a donné cela à chacun de nous? Oh, Jésus non non mime. C'est le fait que Jésus demeure en nous. Bon, oh, oh, et son non non mime. Ensuite de cela, sa parole qui demeure en nous. Jésus te présente. Jésus dans ta vie. Eh bah, ben il dit. Après un. Chloé ton lettre. Ces enseignements demeurent dans ta vie. Eh bah, ben ah oui. Cela fait deux. Mais il doit nous envoyer. Possède ces deux choses. Jésus dit à cet homme de demander ce qu'il veut. Et ce qu'il demande sera accordé. Le ciel ne peut pas rejeter. Et Dieu ne peut pas dire non. Demande ce que tu veux. Sa place existe. Ce n'est pas de l'illusion. Aujourd'hui, l'incrédulité est en train d'entrer, de prendre possession dans la vie des gens. Maïsé. L'incrédulité. On voit certains serviteurs, prédicateurs de Dieu qui ont en eux l'incrédulité. Et ils croient que ce qui est sorti de la bouche de Jésus, ce n'est qu'une simple parole. Une simple parole. D'autres vont jusqu'à dire. D'autres vont jusqu'à dire que la parole de Dieu qui dit 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche, que cette parole ce n'est qu'une simple parole. Prenez garde à vous-même et méfiez-vous de ce que vous entendez. Parce que la parole de la chair diffère de celle de l'esprit. Ce que dit l'esprit de Dieu, se réalisera pour ceux-là qui l'a vu digne. Et si c'est toi qui en es digne, cela va se réaliser sur toi. Et si ceux de l'autre côté en sont dignes, cela se réalisera sur eux. Ici, si c'est une question d'être digne. De ceux-là qui sont dignes de Jésus, demande et il te sera accordé au nom de Jésus. Retiens. Ce n'est pas une simple parole. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. Cette parole, c'est l'Esprit Saint lui-même. Et ceux qui ont permis à la parole de s'installer dans leur vie vont témoigner qu'ils ont vu cette parole ainsi. Ils l'ont entendu de la bouche de Jésus. Écoute. Ce n'est pas la bouche de l'homme qui te proclame la parole de Dieu. Mais c'est la bouche de Jésus lui-même qui te parle. Elle est venue pour toi ce matin. Pour te ramener et t'installer en lui-même. Il va te disposer en lui-même. Pour qu'il puisse devenir toi-même debout. Alors, ta bouche est avec l'autorité de Jésus. Ta main avec l'autorité de Jésus-Christ. Ton pied. Avec l'autorité de Jésus-Christ. Parce que tu ne vas plus pour les disputes. Il ne va plus disputer. Il va plus se présenter là où il y a la jalousie. Ce qu'il a reçu de Jésus, de Dieu lui est déjà suffisant. Ce qu'il a reçu de Dieu. Et il n'est pas dans les tiraillements de la terre.
mais plutôt dans les tiraillements de l'esprit du ciel, raison pour laquelle il doit être accompagné par cette autorité. Cette parole va se mettre derrière lui et témoigner. Que voici une personne en qui Jésus s'est installé et est en train de le transformer comme lui-même. De là, Jésus fera de toi son ambassadeur sous ce soleil. Tu deviendras le représentant de Jésus dans ta famille. N'avez-vous pas entendu? Jusqu'où Dieu a parlé? Au moment où il envoyait Moïse devant Pharaon, n'avez-vous pas entendu ce qu'il a dit? Je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est ce que je ferai de toi. Et Aaron sera ton prêtre. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'est pas, il est différent. Moi, mon Dieu, il est différent. C'est pas les villes Dieu de la terre. Non. Et nos jours, ben nos aides, il revêt l'homme de sa propre nature divine. Il va te présenter devant cette personne dans ma nature de Dieu. Est-ce qu'il peut déjà se permettre de vous revêtir tel que vous êtes là? Est-ce qu'il peut déjà le faire pour vous, Coral? Est-ce que Dieu peut le faire à vous? Ou Dieu fera de vous Dieu devant vos frères, devant vos voisins. Je ferai de toi Dieu. Le Dieu. Le premier et le dernier. Tu diras, Et puisque le diable a compris que cette grande autorité nous est réservée, c'est pour cela qu'il ne fait qu'amener des objets de scandale. Pour que tu puisses dire, j'ai tant prié, mais cela ne s'est jamais accompli. Il s'est précipité pour nous envoyer vers l'âme du bien, de la connaissance du bien, du mal. Mais dans ce cas, il ne s'est pas précipité pour nous envoyer ici. Mais il fait tout pour mettre des bâtons dans le roue pour que personne ne parvienne à ce stade. Il est un mauvais ami. Il est un méchant ami. Femme. Ce qu'il te propose pour te scandaliser, fuis-le. Marie, ce qu'il te présente pour te scandaliser, fuis ces choses. Mais où Église de Christ,
Les présents du diable pour faire scandaliser, fuyez ça. Fuyez. Pour que nous arrivions jusqu'ici. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà. Voyez-vous notre bonheur? Est-ce du bonheur ou du malheur? Hein? Du bonheur. D'agbe, ouais. Mais regarde ce qui t'empêche pour que tu n'arrives jamais là. Détourne-toi de ces obstacles. Et ôte ton cœur de dessus ces choses. Apprends à ton cœur à garder le silence, le calme devant Dieu. Réalise-toi. Incline ton âme devant ton Dieu. Et conduis ton cœur à la soumission devant la voix de ton Seigneur. Qu'aucun d'entre nous ne soit perturbé par une élévation quelconque. Une élévation. Que nul d'entre nous ne fasse l'élever. Que chacun se ressaisisse pour pouvoir recevoir cette grande puissance. Continuons. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Ça va. Huitième au dixième verset, avez-vous compris? Qu'est-ce qu'il montre? Portez beaucoup de fruits. Et ainsi mon Père sera glorifié. Le vigneron sera glorifié. Produisez assez de fruits. Enfant. Allez produire assez de fruits. Père, produisez assez de fruits. Mère, produisez beaucoup de fruits. Jésus nous appelle à produire beaucoup de fruits. Il n'a pas demandé qu'on produise quelques fruits. Il n'a pas parlé de quelques fruits. Que chaque sament produise beaucoup de fruits. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le demande de chacun de nous. De produire beaucoup de fruits. Non. Pour que son Père soit élevé et glorifié. Qui est en train de faire ses œuvres dans la vie de chacun. Qui nous a transformés en des gens de bien. Donc on ne doit pas voir le coléreux au milieu de nous. Au milieu de nous, on ne doit pas avoir des voleurs. Il ne doit pas avoir parmi nous des adultères. Ni des menteurs. Mm-hmm. Non. Et ceux-là qui aiment du bruit là ne devaient pas être au milieu de nous. Des tirailleurs. Hey. Ces choses ne devraient plus exister. Chacun doit être travailleur. Travailleur. Gando doit son goutant. Celui qui s'efforce pour l'œuvre.
Malé. Malé. Peux-tu te transformer en un travailleur? Ou vas-tu toujours demeurer paresseux? Ton premier zèle, où l'as-tu mis? Où êtes-vous, vous qui vous efforcez? Et vous, les enfants, ceux qui s'efforcent, où êtes-vous? Viens. Nous sommes de la race des travailleurs. Dieu est sommes-nous de sa race, oui ou non? Nous sommes de la race du travailleur. Et nous devons aimer le travail. Dans l'esprit, nous devons aimer le travail. Dans cette chair qu'il nous a donnée, nous devons aimer travailler. Là où on travaille, Dieu élève. Mais là où il y a la paresse, Dieu ne demeure pas là. Là où il y a ceux qui bousculent, Dieu ne reste pas là. Il n'aime pas être parmi les bousculeurs. Mais là où chacun ne fait que dérouler son planning et dans la douceur et dans le calme, c'est là où Dieu élève. Reconnaissons la voix du Seigneur. Et produisons beaucoup de fruits. Donc tu as, toi qui as produit ne serait-ce qu'un seul fruit, ne va pas te reposer sur ça. Toi qui as produit que deux fruits, ne te repose pas sur ça. Quand la voix du Seigneur dit, produisez beaucoup de fruits, a dit le Seigneur. Ne va pas compter tes fruits. Ainsi Saint-Denis laisse vous maquiller, Multiplie tes fruits au point que cela devient incontable. Laisse-nous à la décence qui a. Devient le sarment qui a produit des fruits incontables qu'on ne peut compter. Si c'est d'abîme. Rien que de bons fruits. Si c'est des vivis. Des fruits délicieux. Ni ma ainsi c'est des jardins même. Pas des fruits amers ou verts. Mais c'est qui vont agacer les dents. Ni ma ainsi c'est des wanana même l'eau. Pas des fruits agaçants. Le cœur de Dieu serait content. Il étendra, il va indiquer tes œuvres. Et dit rien que des bonnes œuvres. J'ai vu toutes tes œuvres, elles sont bonnes. J'ai vu toutes tes œuvres. Elles sont bonnes devant moi. Viens te reposer. Félicitations, fils. Félicitations, vraiment, tu as vraiment eu pour ton père. N'as-tu pas entendu? La voix qui est descendue sur Jésus avant qu'il ne quitte la terre. Fils, je t'ai déjà glorifié. Je te glorifierai davantage. Viens. Nous voulons rester sous l'aile de cette cette voix qui est descendue sous ce soleil sur Jésus. C'est pour moi. Pour toi. Et pour chacun de nous. C'est notre voix. Cette voix
qui a fait l'éloge de notre Sauveur, également fait notre éloge. Et Yorowi. T'as appelé. Na anidoni au vide au top à Gigona. Pour que tu sois le fils que le Père a glorifié, et comme si cela était insuffisant, il va encore glorifier davantage. De la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, on est en train de glorifier chacun de nous, et voilà que nous nous livrons aux amusements. Dieu se sert de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour te donner gloire. Mais voilà que toi, tu te livres aux amusements avec le diable. Mais l'écho. Retournez. Mais le bon l'écho. Retournez, que chacun retourne. Non, afin que nous venions porter de bons fruits, de beaucoup de fruits. Et dans mon Dieu, ma Si Jésus n'avait pas vu ses affaires réussir, pourquoi va-t-il nous envoyer aller porter beaucoup de fruits? Cela veut dire que son entreprise a marché, cela a prospéré. Si le vigneron n'avait pas planté un arbre, va-t-il l'arroser? Nous sommes ceux qui sont arrosés par le sang de Jésus. C'est le ciel qui le fait. C'est pourquoi Jésus, le sachant, dit « Allez produire beaucoup de fruits. » Son sang est devenu ce qui nous arrose, l'eau qui nous arrose, la plante que nous sommes, chacun de nous. Et de là, il y aura beaucoup de fruits. Mais ici, si c'est sous allez produire beaucoup de fruits. Ne vous détournez pas, ne jetez pas hors de vous cette voie dans vos maisons. Mais ne la jetez pas hors de vous. Alors, vous verrez la main miraculeuse de l'Éternel. Et vous verrez que l'esprit est à part, il est différent de la chair. L'esprit est différent de la chair. L'esprit de Dieu est différent de la chair. Et c'est par son billet que des fruits existeront. Et ceux qui se laissent à lui porteront ces fruits-là. Mais si quelqu'un ne se laissait à lui, cette parole à leurs oreilles deviendra comme une vile parole. Demeurez en moi. Et comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en lui, demeurez aussi en moi. Et agissez dans mon amour. Dans quel type d'amour toi tu es en train d'agir? L'amour de ce monde. À quoi ton? De l'argent. Djepo gampo ton. De tout ce qu'on a. Ene manahe o yifide wa mu. Cela ne peut te conduire loin. Nado sotana. Pour clôturer. Verset 12. C'est ici mon commandement. Filé we achete pa chete na mi die. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oh. Alors, il n'y a plus l'inimitié. Il n'y a plus l'inimitié. Jésus est en train de nous le déclarer. Et c'est très formel. Voici ce que je vous commande.
Je sais que vous êtes parmi les infaisabilités. Mais voici ce que moi je vous commande. Dans tout, voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est ce que nul n'a réussi. Nul ne l'a réussi. Où est celui-là qui me dira ce matin, moi j'ai réussi ça. Fidèle, mais là, t'es toi à fond, ni moi, je dois me dire, oh, n'y a où, on peut go. Ici. Sophie. C'est un commandement. Ache, ouais. C'est à l'impératif. Ache, doua, you, et nous, et zo, et dona, ouais. Et dona, bah, vous comprenez, ce n'est pas facultatif. Et ma indo, et dro, mais n'a pas pour ya. Non. Mm-hmm. C'est un commandement à pratiquer. Ache, doua, you, et karoua, si vous m'avez dit. Voici ce que moi je vous commande. Sur cette terre, parmi les infaisabilités, voici ce que moi je vous envoie faire. Mais on abandonne ça. Et on s'attaque les uns les autres seulement. Ce n'est pas bon. Là, nous ne faisons pas ce que Jésus a dit. Alors, nous sommes devenus ses ennemis. À partir du moment où sa voix ne prime pas sur nous, c'est que nous devenons ses ennemis. Alors, ce matin, tu peux dire à ton prochain, sois ami de Jésus. Ni entend Jésus donc. À partir de ce matin, deviens ami de Jésus. Personne à fond nous les entend Jésus donc. Voilà, comprenons bien. Alléluia. Alléluia. Les amis de Jésus sont à part et les ennemis de Jésus sont encore à part. Quand ton Dieu sous ton là, il est au beau. Mais quand son pays, quand toi ton là, il est sous son beau temps. Nous sommes ici ce matin pour être ses amis. Mais les kawafi à fond nous aider. Nous montons de l'aise. Quand toi ton là. C'est ce qu'il a déclaré. Nous des dolonniers. Nous des nietos, ils ont mis. Ce que je vous commande. Nous en nous mis ouais. C'est un commandement. C'est un commandement. Et je vous envoie faire ça. Quel que soit ce que vous rencontrez sur le chemin, que cela ne vous fasse pas demi-tour pour ne pas aller l'accomplir. Ma wadonami domon, ne viens pas me donner des arguments que c'est parce que j'ai rencontré telle ou telle chose que je n'ai pas fait ça. Non. Avec tout ce que tu as rencontré, fais-le. Et anabasi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ni wana. Ah oui, toi. Aime ton prochain. Dide Jésus ni wana wedo. Comme Jésus t'a aimé. Mon wedomo. C'est ce qu'il dit. Kavi mi de jiwe. Ou bien avons-nous ajouté quelque chose? Mi de jiwe ya. Fille ou ya chepi pa chete nan. C'est ici mon commandement. Mi ni wana mi non zole. Aimez-vous les uns les autres. Ici, mais ce sont beaucoup l'ont rejeté. Mais ce sont beaucoup ont rejeté cette partie. Au sein de l'ordre, aime ton prochain comme toi. Mais maintenant, ce n'est plus comme toi-même, mais comme Jésus t'a aimé. C'est là la différence maintenant. Avant, la loi nous disait, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, il nous a laissé. Et nous a dit maintenant, aime ton prochain comme moi-même, je t'ai aimé. O Senhor dodo ni wana we talk to the Jesus. Fit the Jesus ka so do hobo ze flingo boado.
anani wana wedo to e ma ndi yesu lo pega mo di deni yesu lo ni wana wedo mo anani wana wedo to ko tan ro me de pepe ma je fini wa be yi se ton poto godo. Donc quiconque n'a que ce niveau, cela veut dire que sa foi encore derrière. Il y a un ami gandi. Relisez nous cela. C'est ici mon commandement. File we a chef pipa cheteri. Aimez-vous les uns les autres. Meni wana meno sole. Comme je vous ai aimé. Voilà, ce n'est plus comme toi-même, hein. Misia, ce n'est plus comme. Emma ita idi yede wa mo. Amo ta idi Jesu we. Jesu zon we dimo. Ni wana awe toto we. Aime ton prochain comme moi Jésus je t'ai aimé. C'est là le grand problème aujourd'hui. Qui va avoir l'amour de Jésus, semblable à l'amour de Jésus à son prochain. Où il y aura de la compassion. Il y aura le salut. La compassion, la miséricorde. Mais nous croyons, Diego. Oui, être compatissant. Il y a la compassion, il y a compatie, il y a de la miséricorde. Quand on n'est pas compatissant, on peut avoir miséricorde sans compatir, hein. Alors, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Une miséricorde sans compatir. Donc, il y a plusieurs sortes d'amour. Oh, y a un peu de temps. Un amour compatible existe. Mais nous croyons que Diego. Bonado mimato yatoué mehewe. Qui va compatir à ta douleur. Bonado de weson eme. Pouvoir te retirer de cette douleur. Dis, ouais, il est bien Dès nos démons sont ouverts, dès nos démons sont tout clamés, dès nos démons sont les laissés à dès nos zoagos de kakabo, à foi ton nom beaucoup. Et l'amour que Jésus veut de nous, c'est un amour compatissant, qui a de la compatie, qui peut déjà compatir aux douleurs de l'autre, qui va le soutenir, tout faire pour le retirer dans la boue dans laquelle s'est enfoncé. Fille, retire-la, mini. C'est là vraiment il y a de la du pain sur la planche pour fie mi to asona wa teto ho o pe fi foye ati o pe yoyo lo me o fie me ro popo na wa santi o die mo. C'est le point focal à entamer, à traiter au cours de cette année qui s'achève et pour l'année qui va commencer tout à l'heure. Tori egbe parce qu'aujourd'hui mi na do godo o pe Miragudo Godo, Oué de Yorodo 2022, Mirado Godoué. Nous allons dire au revoir. Miragudo, Miragudo, au revoir, l'ordonné aux oubli. Nous sommes en train de lui dire nos au revoir déjà. Kaina, l'offier Mijadi, et un clan Jo Melonzodo, on a clan Jo Mido, ou Mirako, Jésus pour en continuer, nous avons midi, ou on a eu budget, ou Gamieto Maokoa. Alléluia. Alléluia. De fille, ouais, Miri, ouais, son nom. C'est ici que nous allons travailler. Bon, mais le coup de ponado tcha 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 d'ego. Chacun doit se lever promptement pour ça. Bon, fille, on est dans un peu parmi ton siri. C'est ici que la construction de la base de notre salut se base. On est dans un peu yana pas dodo, bon, en gansan noué, jagi, jogbe, rosi, befi yana besan diro. Si réellement tu vas construire la base de ton salut pour être sauvé de ce qui vient, c'est ici que tu dois te baser. Pour être sauvé de la colère de Dieu qui vient à venir. C'est ici que nous allons nous tous poser nos regards. Il va loin. Et dit. Si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis.
Si vous faites ce que je vous commande, quand on chez Wemi, vous êtes mes amis. Quand on Wemi, vous êtes mes amis. Donc allons faire ce que ces amis doivent faire. Et détournons-nous de ceux-là qui ne sont pas ses amis. Ceux-là qui ne sont pas amis de Jésus et qui ne veulent pas être ses amis, lorsqu'ils agissent, lorsque nous apprenons cela, lorsque nous voyons cela, détournons nos regards. Allons dans le livre d'Osée. Osée chapitre 10. Lisons le 12e et le 13e verset. Osée chapitre 10, verset 12 à 13. Semez selon la justice. Mido taïli dodo. Poissonner selon la miséricorde. Mimo ben di lebla nu jiwe yawe non. Défricher un champ nouveau. Mimo na mini legle yoyo to di lo. Il est temps de chercher l'Éternel. O jrewa na do di oklu no. Jusqu'à ce qu'il vienne. Kakani do leko wa. Et répandre pour vous la justice. Na do tutu konda yi yedo dodo. Vous avez cultivé le mal. Ça va. Ayon. Et dans mi do ma do le bla nu. Si vous semez. Ina gbin. Nu e me de do ou e ina gbin. Ni do me de do ma do le bla nu. Ina gbin yiran kan, ina gbin yiran to gbin. C'est ce que quelqu'un cultive qu'il va moissonner. Si vous semez le mal, vous allez moissonner l'iniquité. Be donc chacun désormais sait pourquoi Dieu l'a appelé. Demeurons dans l'opportunité que Dieu nous a donnée. Saisissons l'opportunité là. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Et prêchez un chant nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur nous la justice. Si vous cultivez le mal, moissonnez aussi l'iniquité. Et mangez le fruit du mensonge. Car tu as confiance dans des mauvaises voies. Et dans le nombre de tes vaillants hommes. C'est ce qui a fait que tu n'as pas cultivé le bien. Mais puisque tu n'as pas cultivé selon la justice de Dieu, il est aussi temps que tu jouisses donc du fruit de ton péché. Retenez bien le 12e verset. Et le 13e verset en train de montrer la rétribution qui attend ceux-là qui ne sont pas amis de Jésus. Et ceux qui sont ses amis. Qu'il soit en train jusqu'à son retour. Sois en train jusqu'à ce qu'il arrive. Si tu peux déjà comprendre. Tu seras le sujet de joie de Dieu. Tu seras le sujet de joie de Jésus-Christ. Le Père se réjouira en ta faveur. Le Fils se réjouira en ta faveur. Et l'Esprit Saint se réjouira. Et celui grâce à qui l'Esprit Saint éprouve de la joie, il lui apporte des dons. Des dons. Et toi seul, tu peux avoir 5 dons. Ou deux. Ne
ne savons pas combien il faut à chacun. Le nombre que chacun peut déjà mériter. C'est seul celui qui attribue selon le mérite qui est détenteur de ça. Et si ce que tu mérites doit apparaître sur toi, alors agis conformément à la recommandation de Dieu. Et cela va être bien pour toi. Aime ton prochain. Comme Jésus t'a aimé. N'est pas comme toi-même. Jésus n'a pas de
conduit jusqu'ici. Tout ce que tu veux demander pour ce dernier jour de l'année et pour la nouvelle année qui va bientôt commencer, tu es libre maintenant d'adresser tes prières. Fais ta prière avec foi. Et sache que tel que tu reçois la parole de Jésus, ainsi il a aussi reçu ta parole, ta prière. Et tout ce que tu as demandé au nom de Jésus te sera accordé. Et chacun prie. Te rendons grâce de bénissons. Parce que tu nous as prié un sentier d'eau douce. Un sentier doux. Il n'est pas difficile à pratiquer. Et seulement nous allons suivre ton indication. Cela est facile à pratiquer. C'est notre sujet de joie. Et sur la de nos chants jour et nuit. Car tu as fait. Tournant vers nous ta face. Ah, ouais, non, tu l'as vraiment fait. Yeah, de we, voilà. Toi qui ne t'es point caché. Tu as choisi de te faire connaître. Les actions de grâce sont là. Les louanges sont aussi là. Le sang de l'agneau nous rend grâce. Nous rendons grâce à Dieu à ton Seigneur. Gigo na yin ko wiwe to etin to lo me si we ye we aro lo to yin ko jesu ton me wa yi pe mi ton le wa yi pe pa mi ton le ye yi pe bi rede mi he wa nu kan to di ko gu do tata de mi yin agbe bloke alo yin to mi si bo pa se na jijo ko ni jete tadagbe ni jete gangan dagbe ni tin ami ro koro po okoro na azon kien 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 gba won ton oto ene ni juwa yi okoro na si pe yewe yewe no na mu popo me amana yi mai gando me yi lo suna adangbe ton na do adansisi ton na do mu ji pipe ton na do do e ma tin adavo ana ye me no na we me ro koro ko mi ton panu kon sunu yonu yo po bu me ko ilele ayido dewe bo bio yi se de meme ro poro po ko de ti bo bio ti to yin ko jesu ton me ni yin we wa na ye di yi se ton le okro na amen we lo fo egbe po yo yo de bo na je bo de go agun to ni tadagbe na okro na amen we do to ile ni tadagbe na okro na amen na tonu si se ni jenu kan o to wiwe Why anybody go, Crona? Ye less may to be gin away. Who as soon on your po, me to poker pony less or tell you a big bog be gin? No, now we tell it on. We are need to do me, they may walk away with you. A phone will talk. Now, many my may not dale to go with blow. A hollow let on. As some one day we do as on to. Wa de popo wa o krona gbe to won asan to ye lo so asan nu ma na won asan to we ni do fini asan to de ase da yi go krona e bo na nu e ye na do wa san lo na de kon o to wi we si we ye we won do e ze asan to si ka do ta gbe to e ran kan sun bo di dale adike pin ye blo o krona adike glo ye blo o krona Adike si endo ye blo okro na Adike gbe eton wulu blo oto Si wo ye we le bla nu na yi Ah olu akota le poton O vi eta sunje Bo to do to pe we Bo to ho me we Pa e jo do do wa pri To yin Jesu ton me Bon ho me Bo dra vi ne le po pon okro na bon pegbe pegbe bo pon so ka yin do mo ma no na we so bo e me gan wa de kuri to eto wa won ye ji to gan yin ho e me o krona ye ta blo me da lo ye go to wi wi ye so to mu kre da lo ye go krona na fi awutu no mi ton le do poro pote ye ni je gan gan o to wi wi de to 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 we ni je gan gan o krona
de to ho me na mi le ko ni je gangan o klo no si we ye we de ko he de to juju wa yi je yi eno kacha 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 yo yo lo ni ma no mo blo o klo no sami lo ton do ko yo yo lo na mi o klo no doa mi a mi lo ton na o ko yo yo lo o to wi we doa mi na o se de mele asan e de mele osun e de mele o klo no na de ni ma je wo wo do mi blo o to we yi rodo ko je wo wo do mi gba won e ton na mi o klo no gba won e ton na agun to e o klo no gba won e ton na ko ta glo do poro ko olu ma vo ma vo yi se ni je yi se ji do mi me o to teno pon ko li le wa jesu ton to dagbe le kede we mi ni yin to pon ten to e o klo no mi je yi jijo ko to de pon mi wa jijo ho to ni je nu kon na me ro poro ko o klo no fon son ku ni shun awa mi ji o to wi wi o gbe ni shun awa mi ji o klo no o ku ma nu e me blo o to wi wi o gbe po fon son ku po ninu nu kon na mi o klo no bo le do mi o klo no se de lo do mo o to to yin jesu mure gan totan mi hallelujah nipa ki go na o klo no